Ben, écoutez, on m'a dit que c'est vous le meilleur balafoniste, enfin le fabricant de balafons de Korogo. Donc je suis venue voir comment on fait le balafon, parce que moi j'ai l'habitude de le voir à la fin, je ne sais pas comment on commence. Comment on commence un balafon? Un seul bois, c'est ça qui est là. C'est vous-même qui coupez le bois ou bien vous achetez dans la c'est nous-mêmes, on coupe. D'accord. Mais si tu vas, avec les poulets, tu vas aller gorger là-bas. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est dans la forêt sacrée, on trouve le bois? Ou bien c'est dans une forêt comme ça? C'est une forêt comme ça. Ah, ok. Si tu es coupé, on fait comme ça, les trous. Oh. Si c'est cassé, on fait comme ça. Tu mets feu. Ok. Voilà. Ah. Ok, d'accord. En fait, il y a une différence de son lorsqu'il vient du feu. Maintenant, on rabote jusqu'à combien de temps comme ça? Si tu es venu de raboter, bon, tu vas chercher le son. C'est comme ça que tu vas sailler. Okay. Faut prendre. Voilà, faut prendre. Ah, non, c'est pas ça. C'est ici qu'on est. Ça, tu vas prendre. Ok. Voilà. Le vieux même veut me taper, mais voilà. Il n'attrape pas bien. Donc, puis, on attrape. Il faut. Voilà. Ok. Celui-là, le son, il est bon ou pas? Voilà, ça là, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, après l'étape, quand on vérifie si c'est bon, c'est quoi la prochaine étape? Ça là, c'est bœuf. Un corps de bœuf. C'est fait avec la peau du bœuf, c'est ça? Voilà, la peau du bœuf. Ok. Donc, il faut combien de lames pour faire tout ce balafon comme ça? Ça là, c'est 12. Lui, il est un peu plus gras. Voilà. Lui, il est un peu plus doux. Tu vois? C'est de plus en plus. Donc ça c'est quoi? C'est quoi la corde? Ça c'est quoi le bébé? Les calebasses en bas, ça sert à quoi? Si tu n'es pas mettre des balafons, il faut un calebasse là. Ça ne peut pas donner un bon son. En fait, les calebasses agissent comme un amplificateur. Parce que tout à l'heure, sans la calebasse, les sons étaient plus doux. Et là, avec les calebasses en dessous, c'est amplifié. Ce sont des baffes, quoi. Donc, pour un balafon complet, il faut combien de calebasses? Il faut 12 calebasses. 12 calebasses. C'était mon crash test du jour. Comme vous voyez, j'ai testé la fabrication de balafons. J'ai mal au bras, j'ai mal au bassin, j'ai mal partout. Soutenons l'artisanat local parce que c'est du manuel, c'est de faire avec le cœur et c'est beau. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau crash test.